Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de The Binding of Isaac. Cette fois c'est la version Rebirth, mais ça changera pas grand chose en soi. Je vous ai pas mal parlé de roguelike sur cette chaîne parce que c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire des petites parties rapides, vous n'avez pas besoin de vous dire je dois jouer 3 heures par jour ou autre, et vous amuser très très vite. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que Isaac est un des jeux qui a le plus popularisé ce genre. Donc je rappelle, roguelike, vous mourrez, vous recommencez une partie, chaque partie est différente, les salles sont différentes, les items sont différents, les monstres sont différents, bref, tout est nouveau à chaque fois, ce qui vous permet de prendre un nouveau plaisir et pas de vous dire j'ai déjà fait cela 12 000 fois. Cela n'empêche évidemment pas qu'il y ait des speedruns sur ce jeu. Binding of Isaac, du coup, c'est quoi? Un jeu où vous contrôlez un petit garçon, Isaac, alors un garçon ou d'autres personnages, hein, vous avez une sélection assez énorme de persos, certains à débloquer, d'autres que vous avez déjà depuis le début, et chacun a des statistiques différentes. Des statistiques de dégâts d'attaque, de portée, de vitesse de déplacement, etc. etc. Vous avez d'ailleurs même certains pouvoirs. A noter qu'en termes de portée, si vous avez des espèces de lasers démoniaques, eh bien ceux-ci peuvent aller tout simplement d'un bout à l'autre de la map, mais ils peuvent aussi faire des cercles autour de vous, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Le petit point assez rigolo de Isaac, c'est l'univers un petit peu cartoon, dessiné, mais mignon. C'est mignon et à la fois c'est gore. Pourquoi? Votre personnage Isaac, bon, il est mignon, il a des grands yeux, il pleure, voilà, il attaque avec des larmes. Vous pleurez sur les adversaires, vous leur jetez de grosses larmes en pleine face. Seulement, ces larmes peuvent évoluer et vous pouvez avoir beaucoup de modifications physiques. C'est là tout l'intérêt de ce jeu. Quand vous récupérerez un item dans Isaac, votre personnage pourra changer. Mais il pourra changer réellement visuellement. Il pourra avoir des cornes démoniaques, il pourra pleurer des larmes de sang, bref. Il y a énormément de modifications à avoir et je ne vais pas vous les spoiler. Comme c'est un roguelike, il faut noter que la connaissance du jeu sera importante et que les différents wikis pourront vous aider à savoir quels items prendre ou ne pas prendre. En effet, si certains items, la plupart, ont des effets positifs, eh bien d'autres auront des malus à vous infliger, et si vous ne savez pas à l'avance que vous les prenez, vous serez juste déçu. Petit point en plus dans Isaac, vous pourrez avoir des espèces de pets qui vous suivent. Alors, de ce que je sache, le nombre n'est pas limité, mais j'ai pas joué énormément depuis très longtemps, cela a donc peut-être changé depuis, mais vous pouvez avoir des petits trucs qui vous suivent, qui vous rendent des points de vie ou autre. D'ailleurs, dans le run que vous voyez ici, hein, le ver qui me suit peut me soigner en tuant des ennemis, tout simplement. C'est une espèce de sangsue. Il y en a plein qui sont plus ou moins rigolos, à vous de les tester ou à vous de tomber dessus, en tout cas par chance. L'autre point rigolo de Isaac, c'est que si vous-même vous pouvez devenir plutôt un peu gore, hein, il faut le reconnaître, eh bien les ennemis aussi, les ennemis, il y en a qui vont avoir l'air mignons, il y en a qui vont avoir l'air complètement dégueulasses. J'aurais pas d'autre mot pour les définir. Hein. Dégueulasse, c'est à peu près le mot. Et le principe, c'est que globalement, le gros méchant de ce jeu, c'est à la base votre maman, votre chère et tendre maman, qui n'est pas forcément très maternelle, on va dire. À la fin, vous finissez donc par l'affronter, ou du moins affronter ses jambes, affronter des morceaux de son corps. Et c'est assez rigolo comme ça de voir que depuis la cave de Isaac, on arrive dans des univers un petit peu plus trash, un petit peu plus gore, comme si on était à l'intérieur de corps. C'est étrange, mais c'est ça qui est très plaisant. Le jeu a du coup des graphismes tout mignons, mais qui vont tourner sur n'importe quel PC, donc c'est agréable, c'est pratique. Il a aussi une bande son qui met dans une petite ambiance un petit peu, je sais pas, je décrirais cette ambiance comme légèrement gothique, si je peux appeler ça comme ça. Et il y a tout un côté effectivement un peu sanctuaire, un peu, enfin, religieux dans le jeu. Dans une certaine mesure, bien sûr, mais vous allez avoir une partie démoniaque, une partie angélique, et ces choses-là vont avoir évidemment des décors différents, des attaques différentes. C'est peut-être le petit point le plus rigolo. Vous commencez donc avec Isaac, le principe est simple, vous vous déplacez dans les quatre directions, diagonale et autres bien sûr, vous tirez aussi vos larmes dans la direction que vous le souhaitez. A noter tout de même que vous ne pouvez pas tirer vos larmes en diagonale, c'est haut, bas, gauche, droite tout simplement. Et après c'est en vous déplaçant que vous pouvez plus ou moins donner de l'effet à vos larmes, puisqu'il y a une espèce de forme d'inertie bien sûr. En plus de cela, vous allez avoir des pièces qui vous permettent d'acheter des choses dans les shops, ou alors de faire tourner des roulettes. Vous allez avoir des bombes qui permettent de faire exploser soit des murs, si vous pensez qu'il y a une porte cachée, soit les mobs, soit des rochers. Et vous allez aussi avoir des clés qui vous permettent d'ouvrir des portes. Bon, vous pouvez aussi avoir des items qui disent les bombes deviennent des clés, des choses comme ça, il y a plein de trucs. En outre, vous allez pouvoir bénéficier d'items dans le jeu, des items utilisables, alors avec plein d'effets différents. Vous téléporter à un boss, vous permettre de casser les rochers, vider les mobs qu'il y a dans la salle, enfin bref. C'est encore une fois plein de trucs à découvrir, en plus du stuff que vous allez avoir, en plus des stats qui vont être modifiés, vous allez avoir des items rechargeables en traversant un certain nombre de salles. Si vous avez 3 barres sur votre item, eh bien il faudra traverser 3 salles pour le recharger et le réutiliser. Si vous en avez 5, 5 salles, etc, etc. Vous allez avoir des petits cœurs démoniaques, où quand vous les perdez, tous les monstres de la salle meurent, et ces cœurs ne peuvent pas réapparaître, ne peuvent pas être soignés. Des cœurs angéliques, où si vous terminez le niveau sans perdre le point de vie avec, eh bien vous aurez un cœur supplémentaire, et plein d'autres petits trucs. Puisqu'il y a aussi des pilules qui vous permettent de faire des effets positifs ou négatifs, des cartes de tarot qui, pareil, ont différents effets qui seront
À connaître, alors les pilules, il faut les essayer dans les parties pour savoir à chaque fois ce que ça fait. Les cartes de tarot, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est peut-être le seul point qui va être récurrent dans le jeu. Pareil, les stuffs font toujours les mêmes effets. Si vous tombez deux fois sur un item dans une partie, il fera deux fois le même effet. Yes, c'est au moins quelque chose d'à peu près sûr et certain. En tout cas, Isaac, c'est un jeu dans lequel on s'amuse vite. On prend plaisir à regarder le jeu, à y jouer, à écouter. Et à y jouer peut-être avec ses potes, hein, parce qu'il est possible, en effet, d'avoir un petit pote avec vous qui peut légèrement tirer. Bon, rien de bien incroyable, mais c'est toujours sympa. En tout cas, Isaac, je vous le conseille, n'hésitez pas à vous le prendre, je pense pas qu'il coûte très très cher maintenant sur Steam, et je vous assure des heures et des heures de bonheur avec ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine.